On a essayé de se renouveler par rapport aux deux éditions précédentes, donc avec des tableaux historiques, avec plus d'effets pyrotechniques, des choses un peu incroyables qu'on fait venir des quatre coins de l'Europe, notamment une démonstration de voltige en hélicoptère de l'équipe Red Bull, et puis la clôture évidemment par la patrouille de France.